Allez, bonjour tout le monde, c'est Kabel pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale. Donc c'est une vidéo, une première épisode sur les phénomènes paranormaux, donc sur les dernières informations qui ont eu lieu sur ce genre de phénomène. Voilà, donc j'ai eu quelques détails, donc c'est sur CNews, donc le site officiel de CNews, je vous le partagerai en montage, je vous le ferai voir en montage en vidéo après, et surtout je vous le partagerai dans la description. Donc sur CNews qui parle de 5 endroits de 5 endroits qui sont hantés. Donc on va commencer par la maison de Bressel. Donc la maison de Bressel, c'est une petite maison qui se trouve dans l'Oise. Donc bon, on sait l'adresse, c'est 13 rue du 11 novembre. Donc en fait c'est pas rue, parce qu'on s'aperçoit que c'est place sur Google Maps. Donc voilà. Donc, il y a des bruits d'étranges, il y a des coups de verrou ouverts, il y a des lentilles de manifester. Une petite fille serait commencée en novembre 2011 dans la description. Donc, voilà. Donc, voilà, il y a quoi d'autre? Le phénomène aurait commencé dès que la propriétaire aurait aménagé dans la nouvelle maison. Selon le maire, l'ancien propriétaire de la maison, il n'y avait rien du tout. Donc, moi, je pense, je le pense vraiment, dans cette maison-là, ça a été un. Pour moi, c'est les nouveaux propriétaires qui ont ramené ça chez eux. Donc voilà. Donc c'est eux qui ont ramené ça chez eux. Donc je vous ferai voir ça sur Google Maps. Donc c'est celle-là. C'est sûr, quand j'ai regardé les photos et tout, c'est celle-là, la maison qui serait hantée. Donc voilà. Donc on ne sait pas. Là, je vois pas de trucs exceptionnels à l'extérieur de la maison. Donc voilà. Donc c'est cette maison qui serait hantée par une petite fille et qui manifesterait. Il y aurait une petite fille dans la maison. Voilà. Donc moi c'est peut-être des meubles qu'ils ont ramenés de l'ancienne maison qui leur appartenait, qui fait que la maison elle est hantée. Donc voilà. Donc ça je peux pas vous dire. Donc hop. Donc c'est cette maison là. Donc on se retrouve à Bressel, donc là on voit que c'est la place du 11 novembre. Donc on n'est pas loin de la pharmacie, il y a l'église qui est un peu plus loin par là. Donc on se retrouve en Normandie aussi, donc c'est une maison qui se trouve en Normandie. Le deuxième lieu qui serait hanté, qu'on aurait découvert, donc c'est le manoir de Sainte-Geneviève-des-Brumes. Donc cet endroit, c'est l'ancienne commanderie de l'ordre des Templiers. Selon la propriétaire de l'endroit, il y aurait des cloches qui sonneraient, donc on entendrait des cloches qui sonneraient à l'intérieur du bâtiment. Un souffle glace-like dans certains murs et surtout des gens auraient vu le cercueil d'un fantôme. Donc pourquoi un cercueil? Je sais pas, ils ont vu un cercueil. Serait un ancien sarcophage égyptien pour ressemblance. Comment expliquer? Tous ceux qui habitent autour de ce manoir-là, les faits n'auraient pas été démentis du tout. Donc il n'y a eu aucun démenti sur cet endroit-là. Donc voilà. Après, je peux vous faire voir la vue dessus du manoir, mais par contre, je pourrais pas vous faire voir la vue. Si, je pourrais vous faire voir des photos du manoir. Donc, bien sûr. Donc, voilà. Donc, ce serait pas démenti. C'est ça qui est très bizarre. Il n'y aurait eu aucun démenti. Et le truc qui est. Bah, c'est lié au Templier. Donc, voilà. Et hop, on est sur Google Maps. Donc, là, je peux vous faire voir la vue de dessus du manoir. Vu extérieure, je pourrais peut-être pas. Non, ouais. Le manoir hanté de Brume. J'ai même marqué ça, vous imaginez. Ici. Donc voilà. Il y a peut-être quelques photos. Non, il n'y a pas de photos. Donc on peut pas le voir de là. Je crois pas. On va essayer de se poser là, mais je crois qu'on peut pas le voir. Ah, peut-être un petit peu. Mais attendez, on va se poser. Non, il y a des arbres. On le voit pas. Ah non, c'est de ce côté-là. Ouais, mais on le voit pas non plus. Il est derrière les arbres là-bas. Donc, il se trouve derrière les arbres dans le fond. Donc, voilà. Donc, il s'est orienté. Il y aura un sarcophage égyptien. Je sais pas ce que foutrait un sarcophage égyptien au niveau du manoir des Brumes. Donc, en Normandie. Donc, ça, c'est très surprenant par contre. Et comme je vous le dis, ça n'a pas été démenti. Donc, je sais pas. Je sais pas. C'est très bizarre. Donc, voilà. Hop, on enlève le capteur d'écran. Ensuite, l'église d'Incarville. Donc, c'est une église qui se trouve à Incarville. Donc, voilà. Donc, dans cette église, selon les informations, il y aurait deux fantômes. Il y aurait l'abbé Delmar qui est décédé en 1949. Donc, c'est un curé. Et il y aurait aussi l'homme qui a été enterré au 11e siècle qui reviendrait aussi régulièrement dans l'église. Donc, voilà. Donc, on entendrait
Aussi, son souffle dans les allées de l'église, ça veut dire que quand on se promène dans l'église, on entendrait son souffle, tranquillement. Mais le souci, c'est que l'église catholique ne réfute pas, réfute tout ce qui est lié au paranormal. Sauf que, donc, l'église catholique, normalement, le paranormal et l'église catholique, ça ne passe pas ensemble. Sauf que cette église-là, comme on a expliqué, ça va jusqu'à Rome. Ils ne savent pas pourquoi c'est comme ça, en fait. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a des soucis comme ça. Ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, voilà. Donc, ça, je peux vous faire voir l'endroit où il se trouve l'église. Donc à Incarville, bien sûr, hop, on ramène. Donc voilà l'église, c'est cette église-là qui serait hantée. Celle qui se trouve là, donc vous avez le cimetière et tout autour. Donc voilà, on se trouve à Incarville. Donc Incarville, c'est en Eure-et-Loir. Je crois. C'est dans le nord de... Non, c'est en Normandie aussi. Donc, toutes les lieux hantés sont en Normandie, en fait, je suis en train de penser. Donc c'est en Normandie aussi. Donc voilà, et cette église-là, j'en ai déjà entendu parler dans des documents. Donc, comme sur Recherche Investigation Paranormale, j'ai déjà entendu parler de cette église-là, en fait. Donc, voilà. C'est ça qui est très surprenant, j'ai déjà entendu parler de cet endroit-là, dans le passé. Donc, voilà. Donc, voici l'église incarnée. Ensuite, quatrième lieu qu'ils disent sur CNews. Alors là, quatrième lieu, c'est le château de Fougeray, comme ça, par hasard. Donc, château de Fougeray, on entend souvent parler. Donc, selon cet endroit-là, c'est le lieu le plus hanté de France. Donc voilà, mais il y en a qui disent qu'en fait c'est des farces qui ont été créées par les propriétaires pour faire croire qu'il est hanté. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal d'enquêteurs paranormaux qui ont été. Donc il y a Gus DX déjà, il y a RIP, donc RIP Recherche Investigation Paranormale, il y a Ghost Hunter International aussi qui est venu à Fougeray, il y a ceux de The Believers avec Zach Bagans, donc de Ghost Adventure, et il y a le Grand JD qui a été. Donc voilà. Chacun a découvert des choses, nos deux ont découvert autre chose, donc chaque personne est différent. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas The Believer, c'est avec Sandy Lactar. Voilà, la française. Donc, moi, j'espère. En vrai, si j'aurais les moyens, j'espérais bien y aller une fois là-bas. Voir ce qui se passe là-bas. Voir si c'est vrai. Donc, parce qu'il y en a qui disent que pour certaines personnes, c'est complètement faux et que c'est des mises en scène qui sont faites par les propriétaires. Donc, voilà. Donc, il y a tellement de vidéos d'enquête paranormale sur ce château-là que tout le monde le connaît, le château de Fougeray. Donc voilà, qui se trouve à bah, Fougeray, bah, château de Fougeray, voilà. Hop, donc on voit l'extérieur du château. Moi, nous, on va aller voir le vue dessus sur Google Maps, comme d'habitude. Tac, hop, on va se mettre en mode satellite. Donc de loin, on ne peut pas le voir non plus. On peut pas le voir, donc on va remettre le capteur d'écran en route. Voilà, notre château de Fougeray qui se trouve auprès de la Vienne. Donc c'est dans le 86, donc c'est pas loin de Poitiers. Donc voilà. Donc le château se trouve ici dans les bois, au plein milieu des bois, mais je crois qu'on peut pas y aller. Non. Si on pourrait aller. Est-ce que je le vois d'ici? Je pense pas. Non, on le voit pas d'ici. Donc il est par là. Il est dans les bois par là. On le voit pas du tout. Ah non, il est de l'autre côté que je raconte. Il est par ici, il est par là, le château Fougeray. Mais on le voit pas, il est dans les bois d'abord. C'est ce que je pensais bien. On le voit pas. Donc voilà. Donc après, on a des photos. Hop. Bon, le château de Fougeray, tout le monde le connaît. En vrai, tac. Donc voilà, il y a à quoi il ressemble le château de Fougeray. Donc il y aurait cette tour-là qui serait hantée, il y aurait un endroit qui serait pas hanté et tout. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas parce que c'est peut-être que des conneries, que de l'arnaque et que tout est créé par les propriétaires. Donc voilà, donc ça, je ne peux pas vous le dire. Est-ce que c'est vrai ou pas? Voilà. Hop. Ensuite, donc maintenant, on a la maison de M. Donc la maison de M Villa, construite en 1939, détruite en 2015. Donc, aurait un enfant décédé dedans et le lieu aurait été hanté pendant toutes les années par cet enfant et un homme qui se serait pendu. Donc, en vrai, il y aurait un homme qui se serait pendu. Mais le problème, c'est que pour moi, il y a plus de preuves vu que le lieu a été détruit. Donc, pour moi, cette maison a emmené ses secrets avec elle. Donc, comment expliquer? Donc, ouais, cette maison, elle a emmené ses secrets avec elle. La maison, elle n'existe plus. Donc, elle se trouvait dans le nord de la France, de pas loin de Valenciennes, je crois. Et bah, à M. La maison de M se trouvait à M. Voilà, donc c'est pas loin de Lille et tout ça. Est-ce qu'on peut retrouver des images de cette maison-là? Hop, tac. Non, je crois qu'on peut pas retrouver.
Ah si, il y a encore des extraits. Donc la maison, elle a été rasée en vrai. Elle a été détruite à cause d'un incendie. Mais on a encore des photos de cette maison-là. On a encore des photos de cette maison-là, mais elle a été détruite avec un incendie, donc mais elle a été rasée. Donc voilà, donc on, ben là les maisons, là, les photos. Donc ben, ça doit être celle-là. C'est vrai qu'elle est, elle était glauque. Vue d'œil. Non, ça on s'en fout. C'est vrai qu'elle a l'air très glauque la maison, la vue extérieure. Donc voilà. Elle se trouvait à Villeneuve-d'Ascq, la maison de M. La maison hantée d'Oppenpont détruite. Donc elle a été rasée. Donc voilà. Donc, il n'y a plus rien. Donc, bah, là, c'est un endroit qu'on pourra même plus enquêter. C'est un endroit qu'on pourra pas enquêter, ça c'est sûr. Donc, elle a été complètement détruite, la maison. Elle n'existe plus. Donc, voilà. Donc, bah, cet endroit-là, on pourra pas y aller. Après, côté enquête, voir les autres maisons, pourquoi pas. Essayer d'aller enquêter dans la maison de Bruxelles, si j'ai les moyens, le matos pour. Attendez. Tac. Donc le Batos Plus, la manoir de Sainte-Geneviève des Brumes, pourquoi pas. L'église d'Incarville, pourquoi pas. Le château de Fougeray, oui. C'est un truc que je voudrais voir vraiment, voir ce qui se passe là-bas. Par contre, la maison de M, bon bah c'est mort. Vu que la maison n'existe plus, elle a été rasée. Elle a été détruite. Donc ça, malheureusement, on pourra jamais enquêter dessus. On n'aura jamais la preuve qu'elle était vraie. Donc voilà. Donc bah voilà notre première vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit épisode et cette petite documentation sur quelques phénomènes paranormaux. Donc comme je vous le dis, la maison de Bruxelles se trouve en Normandie. La manoir Sainte-Geneviève des Brumes, je crois que c'est en Normandie aussi. L'église d'Incarville, bah, c'est en Normandie. Château de Fougeray, c'est en Charente, c'est en Nouvelle-Aquitaine, parce que Poitiers est en Nouvelle-Aquitaine. Et la maison de M se trouve dans le nord de la France, donc pas loin de Villeneuve-d'Ascq. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit épisode sur le paranormal. Donc bon, c'est une vidéo assez montée. Donc voilà. Donc la prochaine fois, j'essaierai de vous proposer du meilleur contenu et pourquoi pas avoir du matériel pour pouvoir commencer à enquêter. Donc j'y crois moyennement. J'essaie de vous proposer une vidéo comme ça une fois par mois sur la chaîne Kevel. En alternance avec d'autres vidéos, on verra ça. Donc voilà. Donc bah moi je vais vous laisser là cet épisode 2. 1 lié au phénomène paranormal et à l'actualité. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, plus tout le monde.